contre ceux qui, à l'époque, avaient initié le parti Kumze de mon grand-père, je me suis Mathias. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, le président national, paix à son âme, de l'UPC Kodok, m'envoie le président national des jeunes de l'UPC. Et ensemble, chez la personne, chez qui je me suis à l'époque, avait tenu sa première réunion, j'ai tenu ma première réunion à Tchang. Et je lance le statut relatif au parti Kumze. Mais la définition RDPF vient de la discussion qui nous amène à comprendre que si le président a transformé, vous remarquerez dans le RDPC, le PC qu'on a dans le RDPC est peuple camerounais qui pouvait aider cette population de Cameroun. Donc on peut même dire que c'est l'union de population de Cameroun qui a été transformée en RDPC. Reste à l'avenir à définir que ce que j'ai dit là n'est pas prophétique. Mais ce qui est certain, c'est que le RDPC devient le parti de tous les Camerounais. Maintenant que le multipartisme vient créer cette critique qu'on a besoin, votre dame vous dit, le veste n'est pas bien fait, chérie, laisse-moi arranger. C'est la critique qu'on a besoin pour te rendre meilleur. Si on a créé des partis politiques, c'est pour que des réflexions nouvelles arrivent, qu'on les respecte. Vous savez, j'ai vu le débat sur le nouveau code pénal. Comment il se tiraille, comment on devient tout petit, comment on s'insulte, comment on y arrive dans quelques minutes. Alors, vous êtes donc candidat en 97. Oui. Évidemment, l'ambition, c'est de prendre le pouvoir et changer. L'ambition, c'est de présider le pays, puisque je vais d'ailleurs écrire un manifeste que je vais intituler « La communauté libérée, un programme pour rendre pragmatique et en mise en application » pour le libéralisme communautaire. Et comment vous expliquez votre échec à cette élection-là? Je n'explique pas le fait de la maturité de ce peuple. Vous savez, la démocratie venait de tomber comme une pluie sur nous, bien sûr sollicitée encore par nous, si je puisse me permettre, mais quand la pluie vient, il faut s'abriter. Donc, quand j'arrive au Cameroun, vous imaginez qu'à l'époque, j'ai 15 000 Camerounais qui ne me connaissent pas, mais à vue de ce que je dis, tombe à l'eau avec moi. C'est en quelle année que vous rentrez? 95, et en 97, c'était l'élection présidentielle, 12 octobre. Donc j'ai 15 000 Camerounais qui font l'aventure. Ils disent, mais Manou, là, il parle comme ça, il dit des choses que vraiment sont intéressantes. Moi, je vais être derrière lui. L'autre dit, c'est la con, ce qu'il dit n'est pas possible. Mais j'ai eu 15 000 qui ont voté. Vous savez, aujourd'hui, dans des parlements du monde, il y a des députés qui n'ont même pas 1800 personnes, mais ils sont là et légitimés. J'en ai eu 15 000 qui m'ont voté. Ce n'était pas suffisant pour renverser quelqu'un qui a 1 million et poussière de votes. Mais c'était largement suffisant pour comprendre le désarroi et l'expression profonde d'une couche de Camerounais qui dit « Ce que tu as dit peut-être être justifié pour ta raison d'être ». Et là, c'était suffisant pour moi pour rester. – Justement, quel est donc ce projet, si la question n'est pas triviale ?– Bien, ce projet, ce que depuis 56 ans, nous n'avons pas fait. Peut-être qu'on ne peut pas tout connaître. Vous savez, pour faire, je ne vous rappelle rien, pour construire votre maison, il faut un plan et il faut une clôture. Votre pays a son plan, ses limites sont définies, mais il n'y a pas de barrière. S'il y avait des barrières, tu vois comment aujourd'hui avec la France et l'Allemagne, ils ont fait. S'il y avait des barrières, avec des points d'entrée et des caméras, vous et moi, on n'aurait pas de problème de Boko Haram. Puisqu'on pourrait passer le pays au pain fin, comme ils le font chez eux là-bas. Quand un terroriste entre, on donne 72 heures. Hein. Même quand bien aujourd'hui, je dirais que le système n'a pas pourtant réussi parce qu'on a au moins 80 000 criminels qui courent encore des décisions non appliquées. Donc on ne peut pas prendre ça comme des molaires vraiment avérées. Mais ce qui est certain pour nous, le Camerounais a appris à la maîtrise de la science, devait revenir s'asseoir, ne plus dire ce qu'on lui dicte. Penser que quand on utilise ceci, là on arrive à quoi? Avec la science qu'il a apprise et se forger quelque chose de naturel, convaincu que Dieu veut. Parce que chacun de nous a Dieu en soi. Donc il y a eu beaucoup de ratés au début. Donc moi j'ai dit, il faut commencer par là. N'est-ce pas? Définir la fondation de notre pays encore, ce qui n'est pas fait. Et je suis débat, tout le monde parle. Mais c'est comme si on passe tout ça. On attend qui vient le faire. Et vous, quelle fondation vous proposez? Mais c'est d'abord que notre pays prenne. Si aujourd'hui on prélevait comme on fait avec le crédit foncier, 1% de nos revenus pour commencer à construire notre barrière. Et négocier
Attendez, j'arrive là avec ce qu'on appelle ce supplémentaire. Parce que vous savez que déjà, si on parle des pays développés, ils sont à 45%, à 47%, des fois, voire 57%. Absolument. Donc, ne parlons pas d'un peu supplémentaire. Parlons des objectifs à atteindre, puisque je vous ai dit déjà que vous et moi, on a la condition humaine. Donc, faisons des choses qui rendent grand l'homme. Au lieu de créer des nébuleuses, il n'y en a pas. Donc, moi, je dis, au début, il fallait d'abord se définir de la barrière de notre pays. Au début, il fallait se dire qui produit l'effet du sujet économique aujourd'hui, le fœtus d'hier. Comment l'État, dans la loi fondamentale, garantit que la pépinière d'impôt qui est ce fœtus doit avoir déjà, de par sa conception, quand elle est au sein de sa mère, une prise en charge, une contribution de l'État, qui attend, comme celui qui cultive le maïs et va s'arrêter le jour, qui attend demain qu'une fois devenu comme nous, il trouve dans ses revenus, avec raison, sa part de contribution de ce sujet économique. Mais un enfant que l'État n'a pas assisté, ne sait pas d'où il vient, comme vous et moi, et le jour où on commence à travailler, il vient seulement mettre le ciseau, il donne l'impôt. D'où on dit on est risquant à te payer l'impôt. Mais si l'État le justifiait, que depuis le fœtus, il t'a pris en charge, tu remettras à César ce qui est à César. C'est ce que je dis, une éducation à cela d'abord. Bien entendu, certaines personnalités de notre pays, les ministres d'État, parce que je vais revenir sur cette question très importante des ministres, qui disent des choses. Voilà ce que nous on fait. Tout le monde se bat pour mieux faire. Nous, on a l'impression que la machine ne tourne que sur le plat et ça nous étonne. Alors, mais concrètement. Donc, vous comprenez que c'est important que cette phase-là de prise en charge d'un fœtus à sa naissance, d'accompagnement. Quand il est petit, par des subventions aux parents pour accompagner l'enfant jusqu'à ce qu'il est... Donc, vous proposerez un mécanisme où l'État accompagne les parents pour... C'est impératif et constitutionnellement. Pour l'éducation de leurs enfants. Oui. Pas seulement les décisions à dire l'école est gratuite. Okay. Ça, c'est pas ce que je veux entendre. Je veux entendre qu'on va à la toucher l'argent pour aller gérer ce qu'on gère habituellement aujourd'hui avec le peu qu'on a là d'abord. Voilà ce que je veux dire. Il faut que ce soit très clair hein, ce qu'on veut dire. Donc, autrement, on va encore tout mélanger dans la théorie. Peut-être ce serait excessif, mais ce n'est pas l'intention. Je veux dire, je veux dire, ma question, ce serait une forme de communisme. Je veux dire qu'il y en a qui travaillent pour la communauté. Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi en développant ce que j'ai à dire, vous comprenez qu'il n'y a même pas d'économiste dans ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, il ne marchera même pas du tout. Parce que vous savez que quand je fais des efforts pour arriver à quelque chose, je ne mérite pas de donner à celui qui n'a pas fait d'efforts. Mais je veux dire ceci. Lorsque le Cameroun à 3 000 milliards. Je vous ai parlé de la phase très importante du fœtus à l'éducation que l'État doit. Ce sont les dépenses. Nous viendrons à où viennent les moyens pour le faire. D'où vient-il? Hein? Vous voulez aller de coq à l'âne? Là, je voulais continuer d'abord avec ce qu'on a Restons dans le coq. Oui, ce qu'on a besoin impérativement pour l'équilibre social, car ce sont ces choses-là qui, depuis 56 ans, n'ont pas été faites. Okay. J'ai parlé de la barrière du pays, j'ai parlé de la prise en charge du futur de la pépinière d'impôts, qui est l'enfant. Depuis sa prise en charge, l'accompagnement, c'est ce qu'il se met à payer les impôts pour que l'État, en prélevant dans ses impôts, soit conforté. Voilà, il y a une source de revenus, mais qui va depuis que l'État, depuis la source, a aussi contribué. Maintenant, nous revenons sur ceux qui vivent aujourd'hui. Il faut se rendre compte que quand on regarde le Cameroun profond aujourd'hui, il y a un coût social important des jeunes qui sont perdus puisqu'ils sont sur des motos. Qu'on essaie même de vouloir encadrer avec des statuts, ben, ce qui n'est autre. Sachant très bien que ce n'est pas des emplois, parce que les pertes en termes de santé, en termes de ceci, sur ces emplois-là sont tellement énormes qu'on ne peut pas défendre ça comme emploi. Voilà la réalité, n'est-ce pas? Ils sont tellement exposés à d'autres facteurs négatifs que celui qui est sur le benskin cause plus de pertes que de richesses. Et quand on explique ça très mal à ce gars, il se fâche même de fois, il dit, qu'est-ce que c'est la conne? Le benskin a sauvé le Cameroun. Et des fois, dans la rue, je me retiens parce qu'ils ne comprennent pas qu'une économie n'est pas fondée sur... l'informel. Voilà. Non, pas que sur l'informel, sur la volonté d'un seul individu qui, en se retranchant même de l'action économique, laissera tout le mécanisme en fonction. Okay. L'informel étant d'ailleurs la base de tout, mais l'informel doit pouvoir être encadré, soutenu et instruit par rapport aux objectifs à atteindre, l'épanouissement de l'homme. Hein? L'informel doit être encadré. Donc vous parlez de pourquoi moi dans le social, j'ai compris très bien qu'il fallait aussi maintenant, au-delà de ce que je viens de dire, il fallait l'impôt parental. C'est-à-dire, il fallait que ceux-là qui aujourd'hui ont des enfants qui payent l'impôt et l'État profite de ce que ces enfants, si hier n'étaient pas encadrés par ses parents, n'étaient pas suivis, ne seront pas devenus des sujets économiques qui doivent payer l'impôt.
Okay. Donc le temps ne peut pas aujourd'hui aller sur cet enfant-là, prendre quelque chose en lui et oubliant celui qui est à l'origine même de cet enfant. D'où l'expression chez nous que d'où est venu le champ pour qu'on cultive le maïs. C'est toi qui donnes le champ, non? Quand que tu as terminé au moins une épine, non? Ça, c'est sûr. Mais quand l'État prend ton enfant, il prend tout dans ses impôts de consommation et de revenus. Et tu oublies, toi, qui a engendré cet enfant. Il y a problème. Donc, également, créer un mécanisme. Il y a problème. De sécurité sociale. Oui, c'est un partage. C'est le partage maintenant. Et tenez-vous cela pour dire, si on vous dit aujourd'hui que vous allez payer 5 000 francs en plus de vos revenus, n'est-ce pas la CMPS, pour assurer vos parents volontairement, et qu'à la fin, à 75 ou en 10 ans, on commence à recevoir une retraite. Vous voyez, donc il y a des mécanismes qu'on met sur place maintenant pour alléger et rendre ça faisable, la faisabilité. C'est l'économie encore. Et la pension retraite, elle existe déjà, non? Oui, la pension retraite existe et mieux encore depuis 2014, le décret d'application permettant aux Camerounais du secteur informel de s'assurer volontairement est aujourd'hui appliqué par la CMPS. Elle a maintenant les deux champs d'application. C'est un atout terrible. Il faut tout simplement que dans cette dynamique, cette deux champs d'application, elle sache accepter les consultations de ceux qui peuvent mieux savoir pour les permettre de mieux avancer. Au lieu de faire la tête qu'on connaît et on ne connaît pas. Vous savez, j'ai horreur. Il ne faut pas m'aimer. Mais aime ce que je te dis là, hein, parce que c'est ça qui sauve le Cameroun. Moi, c'est ce que je dis au président Paul Biya. Je n'ai rien à foutre de ce que toi m'aimais. Mais ce que j'ai à te dire va t'aider à mieux faire parce que c'est toi qui es là-bas. C'est toi qui es là-bas. Or, si j'ai de la haine en moi, je garderai ça avec moi. Et ça, je suis en train de vous parler après 20 ans. 97, 2017, bientôt. Donc, vous vous dites que c'est un peu réfléchi. Merci. Alors, même l'économie comme celle-là, il faut bien la soutenir par la monnaie. Effectivement. Et vous savez qu'il y a un débat assez complexe et même contradictoire sur le CFA, cette monnaie qu'on retrouve dans les anciennes colonies. Oui. Je dois dire, merci déjà, la question, elle me vient, je la prends vraiment comme une balle au bon parce que je l'attendais à celle de toi, mais elle est venue. La monnaie est une preuve de liberté. Nous avons dans l'histoire, États-Unis d'Amérique, des dollars, let us be free. The currency is what makes people be free. Mm. You may work, but if you are not the owner of your currency, you never be free. Mm. They own you and own your job and own your work and own your struggle. And that's a very danger. Currency is one of the prerogatives of each country who is a member of the United Nations. Donc pour vous, c'est le symbole de la liberté. It's a freedom. Mm. Et quand je vois que dans ce pays qui est le nôtre depuis 56 ans, on a des avocats du diable qui commence à vous susciter des résultats d'une économie de l'imaginaire. On vous parle de croissance ici et cela. Dans une économie où l'export est de 4250 et on a l'import à 4... On vous parle de... Vous voyez un peu ce que j'ai dit, ce sont des vendeurs d'illusions parce qu'ils donnent des chiffres qui sont contradictoires à leur théorie suivante. Et Pandemano, comment tu peux avoir 4250 que tu as vendu? Tu importes pour 4800 et tu fais des croissances. C'est de l'économie de la magie ou c'est quoi ça? C'est pas la sauce là où il faut mettre les condiments pour qu'on retrouve à la fin une sauce appétissante. Non, en économie c'est aussi ça. C'est une science, c'est pas de l'imaginaire. Et quand les gens disent ça, je m'étais parce que je connais que j'ai un seul argument pour les briser. C'est lequel? C'est lequel que je viens de dire. Tu n'as pas gagné 4250, tu achètes pour 4800 et tu fais une croissance. Je ne sais pas s'il faut encore entrer à l'école pour calculer le patouré. Donc, il faut le comprendre. Donc, je veux dire aujourd'hui que le social sent impératif pour donner confiance aux hommes de notre pays. Mm-hmm. La CMPS est une structure que le Camerounais doit la faire confiance. Et la CMPS doit savoir sortir de son piédestal pour mener les dialogues à bâton rompu pour créer cette dynamique. Mm-hmm. Parce qu'elle a une image qui n'est pendant le temps où d'autres ont mal géré un peu ternie. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que c'est le bras circulaire de l'État, c'est la politique de l'État pour arriver à ce que les gens s'épanouissent dans ce domaine social. Et s'il n'y a pas là un dialogue qui s'installe, une confiance, n'est-ce pas? Et la monnaie vient réguler tout cela. L'importance de la monnaie, c'est que comment créer une monnaie alors que les prérequis de la monnaie ne sont pas encore créés? Qu'est-ce que j'entends par prérequis? L'éducation à cette monnaie, à aimer sa monnaie, savoir à quoi ça sert, comment on la gagne. Comment on la crée en valeur ajoutée? Tout cela, l'éducation depuis le primaire. Les dessins sur la forme de monnaie, sur l'histoire de la monnaie. Quels sont les zéros de la monnaie? Tout ça sont unis. Tout le monde est impliqué là.
historien, sociologue, à l'édification d'une monnaie qui ressemble à toutes nos pensées. Donc c'est riche. C'est ça qu'il nous